un enfant Cherokee aborda son grand-père, qui était assis près d'un feu de camp. Le garçon était furieux car il pensait avoir été victime d'une injustice. Son grand-père demanda au garçon de s'asseoir car il voulait lui raconter une histoire. Il dit qu'à l'intérieur du garçon se trouvaient deux loups qui se battaient constamment. L'un d'eux était gentil et juste, vivant en harmonie avec ceux qui l'entouraient. Lorsque quelque chose lui déplaît, il ne permet pas que cela affecte son esprit. Ce loup ne se bat que lorsque c'est la bonne réponse. L'autre loup est irritable et aboie après tout le monde. Tout ce qui lui déplaît le met en colère. Sa rage est si grande qu'il ne peut utiliser la raison lorsqu'il devient incontrôlable. En nourrissant ces loups, ils deviennent de plus en plus forts. Le garçon demanda lequel des deux loups allait gagner le combat. Et le grand-père répondit : « Celui que tu décides de nourrir. »